Alors. J'entends ni ma voix ni ma guitare, mais c'est comme ça, les boutons, on ne peut pas faire autre chose. Continue, il va trouver la fête tout à l'heure. Je m'en ai pas dit, mais je vous laisse. Il n'est pas assez clair parce qu'il faut qu'on entende bien les paroles. C'est un projet francophone. Si jamais. Ok, donc c'est un désastre. Ensuite. Si je rêve, si je mets trop de chapeaux, sans traque, j'entends pas ce que je chante. Je donne le drapeau. Si je mets trop de chapeaux, sans traque. Dès qu'il hurle, c'est pas possible. Il hurle dedans. Arrêtez, on va voir que je suis énervé. Pas du tout, c'est. Il y a la thalassothérapie et ça, en fait. Il y a le massage en col. Your voice is good here. Good. Si je craque. Si je craque. Je peux pas essayer, c'est impossible, je peux passer. Je vais essayer. Connais Sintokem Kdoum, émission de Kioska, Triomphe Française, Bobin, Roll et Souchan. Bonjour et bienvenue les garçons. Bonjour. Alors, vous faites partie des artistes que l'ambassade de France et l'Alliance a invités pour le printemps de la francophonie. Alors, je vais faire la traduction pour les Albanais. Alors, trio et Bobin, Roll et Souchan, bonne pièce, avec un groupe artiste de l'ambassade française. Vous avez chanté hier à Tirana, mais vous avez aussi des autres concerts. Alors, ce soir à Pechina, ça vous avez compris, hein? Le 6 à Tetovo, le 7 à Skopje et le 8 à Bitola. C'est rigolo le temps de traduction. Ça, tu dis trois mots, ça met un quart d'heure à se traduire. C'est très rigolo. Excusez-moi, je ne parle pas trop macédonien, je l'ai étudié pendant 7 ans à la fac, mais j'ai un peu oublié comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis, et des gens qui parlent français, tout ça, si vous pouvez lever la main pour passer un petit sondage. Bon, mais cool. On nous a dit que du bien sur le public de Tetovo, qui n'a rien à voir avec celui de Skopje, avec Tirana, voilà, tout ce qu'on a vu, donc on a hâte de voir ça un petit peu, quand tout le monde sera debout, tout ça, un peu nu. L'accueil du public ici, les gens sont très attentifs. Et peut-être parce que justement c'est des francophones mais qui apprennent le français, etc. Donc on a l'impression qu'ils écoutent beaucoup les paroles, ils écoutent beaucoup le concert. Enfin, on sent qu'il y a une attention très soutenue en fait. Alors après, ça dépend des salles dans lesquelles on joue parce que il y a une différence entre un auditorium qui sert plutôt de la musique classique et puis un club jazz à Tirana où les gens sont là aussi et c'est normal pour boire des bières et fumer des clopes. Donc non, globalement, de toute façon, c'est des pays différents. On a l'impression qu'ils sont tous pareils, donc tous ces gens sont différents et donc les accueils sont assez variés en fait. On a passé la douane en Macédoine. On a passé la Macédoine. Oui, j'en ai plein. Voilà. Non, ça va? C'est les grosses têtes locales, on est tous un petit peu dans cet esprit, on a besoin de ça. Et c'est assez beau ici en fait. C'est tout à coup, oui, c'est beau. Oui, à Skopje, on a passé la frontière, c'était. On a tous cru que c'est qu'on arrivait au bout de. De la vie quoi, tu vois, parce que c'est en plus les gens sont venus avec un FAMAS et voilà, enfin il y a un climat mais c'est assez intéressant et puis voilà, nous, là, il est à côté de moi, bah on s'entend très bien sûr qu'on est des amis, on est un groupe maintenant, on est un vrai groupe, un vrai band, un peu comme les musclés quoi. On est un petit peu de. Oui, elle était pas mal la meuf, excuse-moi. Ah, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Coucher de mes Наиболее женская ты! Один, френд, ами. C'est toi là, t'inquiète, t'as personne d'autre. Hein. Ah, c'est toi, bah oui. J'ai de la chance. Bonjour de chance aujourd'hui. C'est un peu notre résidence, les Balkans, en fait. C'est le principe, c'est qu'on avait 5 jours pour monter un spectacle. Qui s'améliorait de ville en ville. Allez, de ville en ville! Et du coup, ce soir, on est arrivé à une...